Добрый вечер, дамы и господа. Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir, mesdames, messieurs. Wir begrüßen unser deutsches Kinopublikum. Je suis très heureuse d'accueillir ici, dans les coulisses de Nouveau Plateau du Bolshoï, nos spectateurs maintenant, juste quelques minutes avant que nous allons jouer notre spectacle peut-être le plus emblématique, qui s'appelle Don Quichotte. I'm very happy to welcome you here tonight at the wings of our new stage where in a minute you will see maybe our most emblematic ballet, the title of which is Don Quichotte. De tout l'héritage de Marius Petipa, c'est la seule ballet classique qui a été créée pour la compagnie du Bolshoï et au Bolshoï. From all legacy of Marius Petipa, this is the only classical ballet which was created at the Bolshoi and for the Bolshoi Company. Et c'est peut-être pour ça qu'on voyait tellement bien dans ce spectacle toutes les meilleures qualités de l'école de danse moscovite. And maybe for this reason, in this performance, we can see so clear all the best quality of the Moscow Ballet School. Premièrement, la combinaison de virtuosité avec le talent dramatique. And first of all, combination of acting abilities and virtuosity. Marius Petipa, qui a habité lui-même quelques années en Espagne, il a préservé dans ce spectacle une atmosphère unique du soleil, du joie et du bonheur. Marius Petipa, who lived himself several years in Spain, preserved in this show the very unique atmosphere of happiness and joy and life. Je suis très très heureuse de vous dire que ce soir, pour vous, vont danser les jeunes étoiles du Bolshoï, Natalia Osipova et Ivan Vassiliev, qui représentent vraiment la nouvelle génération de la compagnie du Bolshoï et qui a dansé ce rôle déjà partout au monde et été applaudissé partout au monde entier. I'm very happy to tell you that tonight, in the main part of Kitri and Basil, you will see Ivan Vassiliev and Natalia Osipova, who represents young generation of the Bolshoï company, and who were acclaimed in this part all around the world. La version que vous allez voir dans quelques minutes, c'est la version d'Alexei Fadyeichev, où il a préservé quand même toute la meilleure chorégraphie de ses prédécesseurs. The version which you're about to see tonight was created by Alexei Fadyeichev, but he preserved there all the best parts of choreographies of his predecessors. Les décors ce soir a été fait par Sergei Barkin et l'orchestre du Bolshoï va jouer sous direction de maestro Pavel Klinichev. Stage design tonight was done by Sergei Barkin and Bolshoï Orchestra will perform for you under the baton of maestro Pavel Klinichev.
Tell you that tonight's performance is also special to us because it is dedicated to the memory of Ludwig Mincus, composer of Don Quixote. Mesdames, Messieurs, je dois vous dire que ce spectacle est très spécial pour nous parce qu'il est dédicacé à la mémoire de Ludwig Mincus, compositeur de Don Quixote. He was born at 1826 and he was Czech and he worked at the orchestra of the Bolshoi Theatre. Il a été né en 1826, il était tchèque, mais il a travaillé dans l'orchestre de la compagnie de Bolshoï.
And so it was his first mutual work with Marius Petipa, with whom later on they created together such ballets as Bayadère and Paquetá. Alors pour lui, c'était la première travail avec Marius Petipa, avec qui plus tard il a créé encore ballet Bayadère. And another important thing which I have to tell you is that when Marius Petipa decided to transfer this ballet to St. Petersburg, he had to add there one more scene. Il y a une autre chose que je dois vous dire, c'est quand Marius Petipa a décidé de transférer ce même spectacle à Saint-Pétersbourg dans 2 ans, il a rajouté là-bas encore une scène. And that was a scene of a dream of Don Quixote, the only scene where you really can see the ballet in tutus. Et c'était la scène de songe de Don Quixote, la seule scène dans ce ballet où vous pouvez voir vraiment les danseuses dans les tutus classiques. I'm also very happy that due to this scene, you have a chance to see pupils of Bolshoi Choreography School. Et je suis très heureuse qu'à cause de ce scène ce soir, vous allez avoir la chance de voir aussi les élèves d'école de la danse moscovite. And the main part of the Queen of Dryads will be performed tonight by Yekaterina Shipulina. Et le rôle de la Reine des Dryades ce soir sera dansé pour vous par Yekaterina Shipulina.
Thank you.
So, ladies and gentlemen, you're about to see the third act of Don Quixote, and I would like to tell you some details about this third act. Mesdames, Messieurs, vous allez voir dans quelques minutes troisième acte de Don Quixote, et je dois vous dire quelques petites choses sur cette troisième partie de ballet. So, Fandango, which you will be watching now, for many years existed in the version of Gorsky, but the one which you will see tonight was done like 20 years ago by Anatoly Simachov. Alors, premièrement, Fandango, que vous allez voir maintenant, a été créé il y a longtemps par Gorsky et pendant des années, ça a existé dans la version de Gorsky. Quand même, dans le spectacle d'aujourd'hui, vous allez voir la chorégraphie qui était faite par Anatoly Simachov il y a vingtaine d'années. Au commencement, dans le ballet de Marius Petipa, ici, on a eu une grande bataille entre Don Quixote et Basile. In the ballet created by Marius Petipa, there was a big battle scene between Don Quixote and Basile. We don't have it any longer. Ce scène de bataille, nous ne l'avons pas plus. Another thing which existed at the early version was that the small cupids, they existed only in the dream of Don Quixote and they were not coming in the third act on stage when we have this divertissement in the palace. Alors au commencement aussi, les petits amours, ils n'existaient que dans le songe de Don Quixote et ils n'ont pas venu au troisième acte quand nous sommes déjà au palais. Mais quand même, c'est un palais royal et nous faisons ça. And here somehow we think it's like the royal palace and we can do in this royal ballet these small cupids. La dernière chose que je veux vous dire, je veux dire à tous qui aiment le ballet de Bolshoï, c'est qu'au mois de mai, nous allons jouer ce spectacle grâce à notre amitié au plateau de Palais Garnier et vous êtes vraiment bienvenus. And the other thing which I want to tell you to everybody who loves ballet, that in this May we will perform Don Quixote on the stage of Palais Garnier in Paris, whom we love deeply and who are our true friends.
Mm-hmm.